Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur Voix Lacaille. Aujourd'hui, c'est dimanche 10 novembre. Moi, porter pour nous et un bulletin d'information. Officiellement, et Gary Corney pas premier ministre encore. Gary Corney il est révoqué. Si il y a un monde qui te gagne doute sur ça, même gens ça m'avait moi te gagne doute sur question révocation et Gary Corney non. Et bien après-midi à l'officiel. Et bien, décret a été publié dans le journal Le Moniteur. C'est décret que nous avons gardé sous écran. Ça, c'est décret à ça qui publié. Et bien, demain lundi, a, et bien, nouveau premier ministre là, qui c'est Didier Fizeme, et bien, il pourra l'installer. Et demain lundi, a, d'après information que nous gagnons, et même gouvernement, ensemble de ministres, eh bien, c'est à partir de mardi, et si Dieu veut, eh bien, yo provoi, eh bien, pour yo capable de venir ensemble avec ensemble des ministres qui pourra le gagner, et non, et nouveau, et gouvernement ça, eh bien, qui fait monter. Nous répétons pour nous, et si gagne au monde, même j'ensemble avec, parce que moi-même, moi, j'ai un doute sur la question de révocation Gary Corney, non? Eh bien, il est officiel. Eh bien, Gary Corney, il était là, il n'est pas là encore. Eh bien, il pourra le retourner. Côté, il était sorti, hein, parce que c'est comme ça. C'est venu en Haïti, venu faire cop, depuis au fin de plein poche l'argent, et puis prend avion, retourner l'autre bord. Parce que le pays d'Haïti n'est pas intéressé. Et ça fait nous, les nègres venus dans le gouvernement, ils ont fait ça, ils veulent, parce que quand ils ont fini, ils n'ont pas prêté là encore. Ce petit peuple-là qui a toujours été dans l'insalubrité, dans l'insécurité, dans le chômage, dans le blackout, dans tout ça que nous connaissons qui n'est pas bon, c'est type en bas qui a toujours été là-dedans. Mais tout le monde qui a été là-dedans pour pouvoir, depuis au fin plein poche l'argent, il y a point avion, il y a tout qui est allé. Mais ça veut dire que c'est nous-mêmes qui, là, type là, et bien qui pour qu'on est. Nous pas supposer être bois croisé pour n'ab garder nèg sa yo et men k'ap craser pays a k'ap mette gang k'ap mette zam et nan men gang pour finir ensemble avec nous. C'est le même qui pour révolter nan monde nèg yo et men information c'est ça Gary Corney était là et men li pa là encore à partir de demain et c'est Didier et Fizeme et men qui pral et premier ministre qui catégorie moun 1 2 3 4 ou estimé ou même qui t'apparaît plus vulnérable dans le cadre de déportation, Jean Trump a parlé. Qui catégorie monde 1, 2, 3, ou estimé capable plus vulnérable, comme si on a touché avant? Premièrement, c'est le monde qui a antécédent pénal. Par exemple, le monde qui vit dans le pays qui est en pointe dans le système et criminel, juste le système. Ça, c'est le monde qui est plus vulnérable, parce que n'importe quel tap qui a dans la rue, on nous dit, pour finir ça là, il y a des bénéfices d'immigration qui ne sont pas arrivés encore. Ouais. Okay? Donc, on prend exemple, Cadillac, dossier Cadillac, là, dernièrement, on t'a parlé. Et d'après moi-même, moi, ça son buzz li, elle pas vrai, parce que si la police campe ou, je ne sais pas quoi Cadillac, comprendre, ça veut dire, la police campe dans la rue, il y a sa flee and a loading pour courir, c'est chargé, mais sous l'organisation de chargé, ça, dans Floride, ils sont félonies. Et l'organe félonie, ça, yo, d'habitude, au moins, on prend une nuit dans le gel, là, on ne prend pas le lago. Et l'on regarde toutes les photos, on ne prend pas un mugshot, désolé. Mugshot, là, c'est là, on arrête, on fait 11 jours. Là, on a beaucoup. Yeah. So, depuis, on ne prend pas de fling et de loading, c'est ça, je dis. Mais imaginez, on continue dans l'arrière police camp. Un exemple, oui. Depuis, on continue à aller, on commet un crime. Okay. So, you have to stop. On est obligé de camper. So, moun ki gen jan de, même si crime n'a pas paraît en pile, misdemeanor, par exemple, moun yon vulnérable. Ça, c'est pour une catégorie moun. Deuxième catégorie moun moun ouè qui vulnérable, peut-être, c'est moun qui vini après TPS yo. So, au moun qui vini après 3 juin là, qui pa get a fond asile. Bon, on va obligé faire asile, parce que faut me faire clair pour moun yo. Lorsqu'un dossier en procédure dans le tribunal immigration, hein, tout autant juge là pour qu'on prononce une décision finale, par exemple, les dismissly, ou du moins, si vous avez un ordre de déportation, il n'y a pas qu'à déporter. Et même si vous dismissez ce cas-là, pour le déporter, il faut que le département Homeland Security réouvre le dossier sans encore pour le persécuter devant un juge. Il n'y a pas qu'à juste un déporter. Façon processus qui prend temps. Je ne parle pas de façon qui est mieux. Mais lorsqu'on commet un crime, vous perdez tout privilège. Wow, ça c'est important. On ne juge pas obligé à réouvrir le dossier encore. Yeah. Mais si par exemple, dans le tribunal là,
yo dit ah nous fermer dossier là parce que le gouvernement pas gain intention de porto yo pas ca juste un bon kounya de porto sans ou parler ouais on juge encore c'est faut qu'yo relo encore après ça c'est deuxième moun za o moun qui vient après 3 juin yo bon si m'ka dit l'autre moun encore qui vulnérable bon pas quoi moun si pierre so vulnérable même pas ouais on en picture à même parce que on nous dit Trump si pierre ça lui valide pour jusqu'à février 2026 mandat Trump a fini en 2028. On nous dit qu'il va renouveler encore dans 2 ans, l'a coûté au gouvernement trop l'argent pour le déporter 309 000 monde. L'a coûté au trop comme. So, I don't see it. Moun ki gen situation ba vraiment ouais, au 3 ans inquiétude pour yo. Mais deux premiers samedi yo, oui, et moi-même, yo-même, m'tap chercher mettre me correct. Intéressant. Ça dit, selon ça, vous expliquez là, comme si Jean moun yo paraît affolé, paniqué. Monsieur, que si on moun, j'en m'de dit ça déjà hier, on moun kap mène en vie normale dans le pays, qui a le travail, etc., qui paye taxes, qui pap violer la loi, qui pap commettre une série de bagages illégales, li pat a doué gen trop kè sauté. Li pat a doué gen trop kè sauté. Mais gwan époque, l'histoire, bon, pas souhaité l'histoire répétée, mais ça fait déjà ici. Si vous regardez l'époque 1954-1955, bien sûr que t'es une déportation massive qui t'est faite, côté que t'as pris un train d'un caïmoun, déporté moun, etc., etc., et en pile moun, pat épanier. Donc, ce que c'est l'histoire ta de répéter sous Trump, monsieur que le cas difficile, même pas dit le possible, parce que j'aime dire, personne pas connaît, et monsieur qui doit décider pour prendre des décisions, c'est vrai, les salvadis, mais qui est-ce qui a campé lui, qui est-ce qui a arrêté le, et dans le sens que qui est-ce qui a arrêté décision que le prend, nous pas connaît. Même ça que m'ta souhaité, en seulement souhaité, tout ça, Trump t'a dit, c'était dans le cadre de campagne électorale. En pas t'a souhaité que M. Vu retourne vers sous table là, pour t'a matérialisé. Mais c'était une des histoires là difficiles pour répéter. Nous avons, pour exemple, bien sympa, on a regardé Deuxième guerre mondiale qui était gagné et gros événement ça qui était passé dans Hiroshima avec Nagasaki qui était gagné bombe atomique ça là difficile pour gagner on cas similaire parce que il y a un pile changement qui fait dans dernier siècle ça yo il y a un pile bagaille qui un pile bagaille qui changer so, le fait qu'elle t'ait fait douter le cas répété raison c'est parce que c'est diplomatie qu'a fait c'est pays qu'a fait pas quoi tu pas prendre qu'une décision qu'a blessé America plus que le ranger. Parce que les gens ont staff, et ça que fait Aurélie, les gens ont staff. Président, les gens ont, président, les un groupe de 9 mounes, entre 7 ou 9 mounes, et qui c'est advisor, les qui bat le conseil, non, c'est de bagarre à faire. So, même si c'est vrai, même si le taf, les frères, au moins, c'est quoi, là, bien proche, les cap, réaliser, les cap du président, sous fait tel bagaille, là, déranger, parti à, oui, parti à, prochain monde, cap bien pour aller dans l'élection, les papes, c'est le pape, c'est là, non. En 2001, tu as eu pile déportation aux États-Unis, mais nous tous comptons qui raison, c'était parce que tu as eu 11 septembre qui était fait dans New York, et les ça nous avons gagné, les États-Unis ont déclaré the war on terrorism, la guerre contre terroristes. Côté que Bush lui-même t'appelle créer nouveau et département, ça qui est le Department of Homeland Security, c'est après 9 septembre qu'il t'appelle créer. Et bien, il t'appelle by Homeland Security, juridiction lui-même pour venir avec ICE, qui c'est Immigration Custom Enforcement. Et bien, c'était eux-mêmes qui t'ont gagné droit de camper mon dans la rue, demander aux documents, sous les documents, ils déportent. Parce que le pays a l'étape traversé une crise qui était critique, plus que combien mon monde mourit attaque terroriste, le pays a été en défense. 2024, c'est différent, c'est pas même scénario, parce que c'est il y a différent en termes d'exécution du plan. Par contre, je comprends.